Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que par respect pour les familles de la victime, je ne monétiserai pas cette vidéo. Donc pour ceux qui disent que je fais ça uniquement pour le buzz, vous pouvez vous abstenir parce que je viens de vous prouver le contraire. Salut tout le monde, c'est Elysium, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça peut aller. Dans cette vidéo, je vais tout simplement apporter mon soutien aux familles des victimes, donc vous vous en doutez, hein, elle n'était pas prévue, je vais vous en poster une autre à la base aujourd'hui, mais je préfère vous la poster demain et poster celle-là aujourd'hui, parce que c'est plus important. Donc je vais apporter mon soutien, comme j'ai dit, aux familles des victimes des attentats de Paris, qui a eu hier vers 20h. Aux Champs-Élysées. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les infos, mais je pense que tout le monde l'a vu, je vais rapidement vous faire un résumé. Donc une Audi s'est garée derrière un fourgon de police, a commencé à sortir et avec une Kalachnikov a commencé à ouvrir le feu sur les policiers. Un policier était blessé grièvement, une passante étrangère a également été blessée légèrement par des éclats de balles. Un autre policier beaucoup plus grièvement, mais lui, son pronostic vital n'est plus engagé à l'heure où je vous parle. Et malheureusement en tuant un autre policier de 37 ans. Donc l'assaillant a été tué par d'autres policiers, donc par des tirs de riposte. 3 heures plus tard, donc vers 23h, Daesh a revendiqué cet attentat. Donc pour le coup, il n'y a qu'une seule victime, mais c'est une de trop. Voilà, un seul tué je parle, mais c'est une de trop. C'est quand même mieux que ce soit ça que par exemple les attentats qu'il y a eu au Stade de France ou au Bataclan, surtout au Bataclan ou à Nice où il y a beaucoup plus de morts. En tout cas, bah bravo aux policiers, voilà, qui ont quand même risqué leur vie en faisant des tirs de riposte sur cet individu à main armée. Donc voilà, je tenais simplement à apporter tout mon soutien. Donc si jamais vous avez été à Paris ce jour-là, vraiment appelez tous vos proches pour leur dire que vous êtes bien en sécurité. Même si je pense que du coup forcément comme il n'y a eu qu'un seul mort, je pense que ils le savent que vous êtes en sécurité. Mais appelez-les quand même, c'est mieux. Ça les rassurer en tout cas, croyez-moi. Donc cette fois-ci, il y en a vraiment marre, hein. Moi j'en ai marre. Bon là je vais pas encore tout casser comme j'avais fait la dernière fois. C'est que je suis beaucoup plus calme, mais franchement j'en ai marre de ces attentats. Surtout qu'il y a quelques jours, pour ceux qui l'ont vu, je pense que quasiment tout le monde l'a vu, ils ont démantelé un attentat chez moi à Marseille. Donc c'est quand même chaud, quoi. Ils en ont pris quand même un peu partout dans la France. À Saint-Etienne, je me rappelle plus trop quoi. Je me rappelle plus le nom exact. À Paris, à maintes reprises, à Nice. Et plus récemment à Marseille. C'est que dans deux jours, là, alors je vous parle, c'est le premier tour des élections présidentielles. Puis même si personnellement je ne suis pour aucun politicien, voilà. C'est que ce serait quand même ce serait vraiment horrible qu'il y en ait un qui se fasse tuer. Donc c'est pour ça que la sécurité va être encore plus renforcée. Mais moi personnellement ça m'agace parce qu'on dit que la sécurité c'est extrêmement renforcée. Et dans l'une des rues les plus touristiques de France, la sécurité n'y est même pas. C'est vrai que, logiquement, quand on voit quelqu'un sortir avec une Kalachnikov, si c'est vraiment sécurisé, à partir du moment où on est censé voir l'arme, on est censé l'abattre. Dans des plans comme ça. Même en temps normal, en France, c'est interdit d'avoir une arme. Mais apparemment, les policiers n'étaient pas assez vigilants. Donc en tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mais bon, à mon avis non, c'est pas une vidéo que vous allez aimer regarder, je pense. Donc c'était Elysium et ciao tout le monde.